Bonsoir et bienvenue à tous. Mardi 6 décembre, les Français s'intéressent à leurs racines. 10 millions de personnes ont déjà entrepris des recherches sur l'histoire de leur famille, mais le parcours est parfois compliqué. De nouveaux outils se développent et sont à la portée de tous. Sont-ils vraiment efficaces? Nous répondrons à toutes vos questions. Question, d'où venez-vous? 7 Français sur 10 s'intéressent à leurs racines et leurs origines. C'est ce que révèle une étude publiée aujourd'hui. Mieux, 10 millions de Français ont déjà entrepris des recherches sur l'histoire de leur famille. La limite, eh bien, beaucoup considèrent que les démarches sont trop fastidieuses. Eh bien, ça tombe bien, de nouveaux outils se développent et sont à la portée de tous, même des plus jeunes. Ce soir, c'est Diane Douzillet qui vous répond. Alors, Diane, on récapitule, à quoi sert la généalogie? Bien, tout simplement, Xavier, à connaître vos origines. Combien de personnes portent votre nom, l'histoire de votre famille. Et il faut savoir, Xavier, qu'en la matière, les Français ne sont pas très renseignés, puisque 42% d'entre eux sont incapables de citer le nom et le prénom d'un seul de leurs arrière-grands-parents. Et quand ils s'y intéressent, eh bien, c'est le plus souvent dans l'espoir de découvrir un lien de parenté avec une figure scientifique et surtout historique. Près de la moitié souhaiterait en effet savoir s'ils descendent de Charlemagne ou bien de Saint-Louis. Réponse, 9 Français sur 10 descendraient en effet de Charlemagne et 1 sur 10 de Saint-Louis. En revanche, un seul 18% aimerait être apparenté à un politique. Et justement, il y a des filiations étonnantes pour certaines personnalités. Mais tout à fait. Regardez, dans cet ouvrage qui vient de sortir, on apprend par exemple que Valérie Trier-Weiler n'est autre que la cousine éloignée de Carla Bruni-Sarkozy. Ça, c'est dingue. Et aussi de Julie Gayet, que Nicolas Sarkozy et François Hollande ont un ancêtre commun, un paysan savoyard né vers 1600, ou encore que François Fillon est un cousin lointain de Dominique de Villepin et descendant d'Adam Fumé, ministre de Charles VII. Et ça, oui. Ça vous fait marrer. Autre question, Diane, jusqu'où peut-on remonter? Alors, selon un spécialiste, jusqu'à Louis XIV, autrement dit, vers 1640. Alors, sachez que vous pouvez faire appel à un généalogiste qui fera les recherches à votre place, ou bien les effectuer vous-même sur Internet. De nombreux sites proposent en effet ces services. Et le site Philae, mis en ligne aujourd'hui, met pour la première fois à disposition 250 millions d'actes originaux de naissance, mariage, décès. Mes parents étaient mariés en 1753, j'ai regardé, j'ai fait le test. C'est vrai? Ah, écoutez, il y a peut-être des erreurs qui se cachent là-dedans. Et on peut remonter donc avec ces 250 millions d'actes originaux de vos aïeux, de la Révolution jusqu'au début du XXe siècle. Pour cela, il suffit de rentrer dans le moteur de recherche un nom, prix de l'abonnement, 6 euros par mois, mais c'est gratuit jusqu'à mardi. Donc vous pouvez retenter l'expérience avec vos parents. Alors moi, j'ai mené l'enquête sur votre cas, Xavier, et j'ai trouvé 56 résultats pour Demoulins, dont une majorité en Belgique, à Plancenoit, en Wallonie, ainsi que dans le Tarn et dans le Loir-et-Cher. Le Tarn en brûle, ça se rapproche. Merci beaucoup, Diane. Bonne recherche.